projectile protection, quoi. Bonjour et bien Christian, ici c'est LB35 pour la suite du Fallen Kingdom. On commence à être bien, on va pouvoir bien organiser nos salles des coffres et remplir les objectifs dans cet épisode. Et après on attaquera et on gagnera la partie tout simplement. Ah, enfin. Depuis le temps que vous l'attendiez, je sais pas, on est le... Oh là, épisode 7 déjà, ça passe super vite. Pour ceux qui se demanderaient, on a filmé en deux fois, vous voyez la transition à l'épisode 4. Oui. Pour des raisons... J'espère aller. Pour des raisons qui me comptent. D'ailleurs, c'est à cause de moi qu'on a dû arrêter. Enfin bon. Tout est de ta faute. Oui, bon, bah... Moi, j'y ai pour rien. Pas forcément des disponibilités incroyables pour filmer, je suis désolé. Là, j'attends de mourir de faim. Vu que j'ai plus d'XP de toute façon. Hein. Bah non, y a pas Starve to Death. Tu dois mourir... Ah bah oui, bah je vais attendre d'avoir qu'un demi-cœur et puis je sauterai... Mince, on est perdu. On a quand même utilisé beaucoup de fer quand même hein, pour ça. Ouais. Mais bon, c'est bon là. Je suis full protection 1 et il n'y a que. Allez. C'est bon, je suis full protection 1 aussi. C'est bon. Bon, allez, je peux le level, je peux rien. Youhou! Bon, désolé pour les viewers, mais bon, il faut que ma barre de fin termine. Ouais, je meurs! Bon, écoute, je vais aller dans le Nether rapidement prendre 2, 3, 4 Netherrack, histoire de faire la Nether Brick. Ouais. C'est la fête. Il bon. Manque, mec, on va crafter le bloc de fer. J'ai crafté le bloc de fer et je vais aller le déposer. Allez. Désolé pour les bruits dehors, c'est pas grave. Est-ce que t'entends des bruits un peu derrière dans mon micro? Non. Ah, c'est bon. Ouais. C'est que mon micro est pas trop sensible. C'est souvent handicapant, mais bon. Yeah! Je prends surtout pas mon stuff. Je vois mon nombre de morts et là je me dis. Ouais. Écoute. Mon stuff, et je peux même pas le ramasser. Ah, si, c'est bon. Écoute, mec, je peux aller poser tous les blocs. Je vais le faire ou pas? Bah oui, vas-y. On a tout. Bon, je me stuff quand même. Je vais prendre un peu de fer là. Ouais. Je me stuff. Ouais, on passe tranquille. Voilà, j'ai pile poil de quoi faire le minecart, donc je fais le minecart. Hein. Vas-y. Moi, je me stuff. Et aller poser tous ces blocs. Oh, bah, ça, en espérant. Okay. En temps, écoute, je connais Ethan. Sérieusement, je connais Ethan. Je sais qu'il va camper à côté du truc. Parce que je le connais. Ah ouais, en fait, Ethan est un gros. Non, je sais pas, je sens que le mec va camper à côté. Je dis pas qu'il va camper, mais je sens qu'il va camper à côté. Surtout s'ils ont déjà posé les leurs cubes à eux, ben... Ouais, c'est un peu sûr. Hop, j'ai mis des rails. Parfait. Je vais pas passer par l'escalier, je vais passer par un autre chemin. Pourquoi j'ai pris des rails? Pour faire le minecart. Ouais, mais bon, concrètement, c'est stupide. Un seul minecart aura suffi. Bah, vu que... Oui. Ah oui, vu que... Ah, quoi que... J'ai pas pris de bouffe. J'espère sincèrement qu'ils m'attendent pas là-bas en crampant, parce que sinon ça va pas très fair play. Ça va être la merde. C'est pour ça que je passe pas par l'escalier, parce que... Je sais qu'il fallait attendre l'escalier. Ok, ça m'en fait respawn ici, je vois pas pourquoi. Ok, je vois, ça me fait réapparaître là. Bon, je vais creuser à côté du coup. Allez, c'est parti. Je passe. En fait, les rails. Ouais, pour poser le minecart ici. Voilà. Bon, du coup, on fera. Quand même haut son truc hein. On fera cuire un petit peu de pioche hein, je vais utiliser les restes de pioche en bois. Allez, je suis en train de monter là. Sacré sens de sacré mémoire concernant les nombres de blocs, enfin bref, je vais faire cuire
16 stone nice, elles vont nous servir. Donc je te montrerai où j'ai mis la salle des coffres et le minecart. Ok. C'est vraiment détectable, hein. J'espère qu'ils vont pas amener la TNT par contre. J'espère aussi. Alors, donc du coup, je disais faire cuire la stone. Casser les œufs. C'est stressant, là. Si je tombe, je perds tout mon stuff. Faut surtout pas que tu tombes alors. Je ne tomberai pas. T'as pas intérêt. Ok, d'accord, je, génial. Je suis sur le volcan. Ok, quand je vois plus le volcan, ça veut dire que la render distance élevée, c'est une pure arnaque. Ah non, c'est bon, ça met juste du temps à se générer vu qu'on est en 1.7. Je te vois pas. T'es tout en haut du volcan. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Enfin, là, je suis en train de tomber plutôt. Quoi ? Le problème, c'est que j'ai peur en fait. Tu vois, si je passe par l'escalier, qu'ils m'attendent sur l'escalier en fait. Ah bah ouais. C'est pour ça que je suis en train limite, de prendre le chemin. Limite, ce que je fais, c'est t'accompagner parce que je suis full life et. Par contre, il faudrait que je mette des trucs dans le coffre quand même. T'as vraiment besoin de mon aide ou bien ? Bah, le problème, c'est que s'ils tombent... si m'attendent à deux là-haut, je suis pas dans la merde, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon, finalement, je crois que... Ouais, non, faut laisser le rail. Pas cool, ça. Bon, du coup... J'ai des rails ici, j'ai une pioche. Bim, j'assassine le minecart. Je vais faire la bouffe aussi, ça. Là, parce que là, je suis en manque de bouffe. J'ai absolument rien. Question bouffe, là, j'ai rien. Ah, j'aurais dû prendre une pioche avec. Ah, par contre, les trucs qui s'ouvrent comme ça, je leur demande rien du tout. C'est quoi, je vais redescendre parce que. Ouais, là par contre on voit le minecart qui est gênant. Par contre pourquoi il me fait pop ici le minecart? Je sais pas là donc je sais pas où tu pop. Je veux dire il fait popper dans l'escalier à 5 blocs de là où je quitte le minecart, c'est n'importe quoi. Bizarre. Quand on est là-bas, je sais plus c'est quoi. Tu sais, on redirait quoi dans la base, s'il te plaît ? La base en elle-même, parce que là, je sais la plus. La base où en elle-même, alors. Tu es bon, tu as posé les blocs, tu. Non, parce que je suis en manque de bouffe, là. En 60 moins 150. Ah, je suis très loin, quand même. J'ai fait un petit truc, vu que le minecart faisait des siennes, et qu'il fallait forcément qu'on le voit pour pouvoir monter dedans. J'ai mis une cobble. C'est la seule cobble visible. On la casse. Hop, pour un petit bout de minecart. On rentre dedans. Et on en sort. Ok, c'est bon, j'ai un peu de bouffe là. Tout simplement. Vu qu'il me fait respawn n'importe où, je vais mettre des rails. Vu que j'en ai crafté, faut bien que ça serve à quelque chose. Un peu, oui. Voilà. Donc faudra le renvoyer en arrière pour pouvoir rentrer. Ok. Donc là, je suis en train de remonter. Alors attends, 60. Ouais, je suis parti vraiment loin. Alors 60, c'est par là. Comme il y a vraiment aucun animal. Aucun animal, pardon. Vraiment pas d'animaux. Ah ouais. C'est vrai, c'est pénible. Bah, faudra pêcher, quoi. Bah oui, mais est-ce qu'on a du fil? J'en ai mis dans les coffres, normalement. Bah non, visiblement non. Ah bah, j'ai dû mourir avec et je les ai pas retrouvés. Ce qui pose un léger souci. Ouais. Et la nuit tombe. Je suis
train d'arriver. Ah, non, c'est du bois. On fait le test. En plus, on voit à peine. Ouais. Même après avoir cassé la cobble, okay. On le voit pas. Enfin, on le voit okay. Un tout petit peu, mais faut vraiment se mettre au bon angle. Ouais, je vois la muraille là, c'est bon. Ah, c'est bon, je vois, je vois un cochon. Et pour sortir de la salle des coffres, faut repousser le minecart sur le dernier bloc, rentrer dans le minecart et sortir. Ça te remet dans l'escalier. Va pas me demander pourquoi, mais en tout cas, ça le fait. Ok. Pourquoi? Bon, bah, je vais manger un œil d'araignée, écoutez. Hein. Ça enlève qu'un cœur et demi. Voilà, j'ai tout juste perdu de la vie, et puis ça m'a donné un peu de saturation. Bon, la salle des coffres, elle est plus ou moins faite, faudra juste mettre des coffres dedans. Alors, est-ce que tu peux juste m'ouvrir un accès pour que je rentre dans la base? Faut que je crame vite une pioche, vite. Ah, mais non, c'est bon, regarde. Tu peux rentrer par ici, en fait. Ah faudra bon couper ça. Ouais, faudra... Écoute, j'ai de la bouffe ici, donc je vais aller la faire cuire. Je vais y aller alors. C'est bon, j'ai coupé l'accès. Ok. Donc tu viens voir la salle. Je suis trop fier de mon petit truc avec le minecart là, donc. Vas-y, montre. Donc, viens par là. Donc ici t'as le chemin qui mène à la mine. Oui, j'ai oublié de remettre la cobble. Donc ici t'as une cobble. Insignifiante. Ouais. Fake. Casser la cobble. Bon, par contre, j'ai pas de pioche. Non plus. C'est un fail. Attends, je vais prendre la pioche. Je vais une en pierre, moi, quand même. Oh, non, c'est bon, j'en ai une en fer, c'est bon. Bon, moi, je vais en faire une en pierre, bah, parce que ça peut servir, les pioches, quand même. Ah, donc voilà, je suis là, c'est bon. Hop. Donc, tu casses la cobble. Ouais. Tu vois le petit truc, là, en gris? La petite barre à 1. Ah ouais. On peut pas rentrer. Si, on peut rentrer. Ah, c'est bon. Et là, t'avances. Parce que là, ça te livre ici. Ah ouais, d'accord. C'est le moyen de sortir, ça. J'ai exploité le bug pour pouvoir sortir. Et après, comment tu le ramènes? Quand tu le casses, tu le remets. C'est bon. Tu casses, tu le remets et tu repars. Ouais, quand même, est quand même assez visible, non? Faut pas casser le bloc. Et pour sortir, tu fais comment? Bah, tu t'avais dit, tu as. Après être arrivé tout au bout de la ligne, dans le sens du départ, enfin dans le sens de l'arrivée, quand t'es tout au bout devant les blocs là, tu livres et ça te remet dans l'escalier. Tu livres? Oui, tu quittes quoi. Ah oui, pardon, oui, j'ai compris. Voilà, ouais, pas mal. Trop fier de moi. Attends, juste un truc, je me demande un truc. Il est plus là. Au pire, on verra bien. Il est plus là. Non, GG. Au pire, on verra bien. Je te dis, au pire, on verra bien pour un truc. Hop. Je pense avec. Ouais, on a fait, il est parti, génial. Non, pourquoi je dors? Mais ce qu'on fait, c'est qu'à la place de la cobble, on met une stone et on marque bien la position. Comme ça, on est obligé de casser une stone pour découvrir une autre stone avec un minecart quasiment imperceptible. Ok, donc là, je vais poser les blocs. Hein. C'est parti. Bon, au pire, voilà. Au pire, je vais essayer de faire une grosse muraille, tu sais. Ça. Un truc un peu épais. C'est ça, comme ça ils vont utiliser quand même 2-3 TNT, donc ils vont en perdre. C'est un peu le but. Alors, je disais faire cuire de la stone. Voilà. Faudra bien retenir la position par contre. Donc quand on arrive en bas, là, au moment où ça tourne, c'est en bas à droite. La stone en bas à droite. Il y a alors une dirt, vu que la dirt ça apparaît naturellement dans les grottes. Et... Ouais. Et alors ce que je fais, c'est que je mets 3 dirt et puis c'est celle du bas à... Ok, hop. À casser.
Ouais, faudrait que je commence. Je suis fier de mon système, moi. Mais bon, Moi. y a pas tellement de raisons. Bon, j'espère juste qu'ils Eh, vont pas me pas, tomber. non. J'espère juste que s'ils sont là, ils vont pas me tomber à deux dessus parce que sinon, Ah ça va me dire que je suis un peu dans la merde. ouais. Ouais. Tu vois, un, je peux encore peut-être éventuellement le gérer. Tu vois, un seul, je peux éventuellement encore le gérer, mais. Bah oui, deux à deux, c'est un peu, c'est pas Deux très contre un, fiable. surtout s'ils ont une sharpness et un bon stuff. Ouais, Ça, bah en ils ont un fait, bon stuff. je crains juste qu'ils m'attendent, tu vois, là-haut, parce que s'ils m'attendent là-haut, ce serait un peu salope. Donc What? voilà. Bon. Il bute. Donc c'est une dirt à casser maintenant, c'est cette dirt là. Pire, tu mets de la stone lisse. Ils outeront pas qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, sûr. Parce que une fois une cobble, je sais pas, tu vois une cobble en plein milieu d'un truc comme ça, ils se doutent quand même de quelque chose. Hein. Ouais. Une cobble en plein milieu normal. Ça, y a personne pour l'instant. Par contre, s'ils me poussent dans la lave, au moins je suis en train de mettre des trucs dans le. Merde, la pioche! Qu'est-ce qu'il y a? Mais faut casser le cube en obsidienne, c'est vrai. Bah, avec n'importe quelle pioche, ça marche, hein. C'est un peu long, mais... Oh là là. C'est vraiment long par contre. Non, je vais faire une pioche en diable. Ouais, ce sera plus rapide. J'avais complètement zappé qu'il y avait ça. Ouais, par contre, pour ce truc-là, va bien falloir aller jusqu'au bout. J'ai encore tout démoli, il va me falloir une... En plus, j'avais deux stone lisses. Ah, et j'avais posé ici comme un con. Attends. Par là. Je sens qu'il va me falloir des stacks de stone lisses, donc au rythme où je vais là, je consomme de la stone lisse. Tu as fait la pioche en diamants? Ouais, tu peux en faire une, ouais, ce serait bien. Je fais la pioche en diamants. Oui, comme ça, dès que tu as. Oula, je suis parti loin là. Hop, 1, 2, 3. Il nous reste que 2 diamants. Ouais, comme ça, tu Go. vois. Voilà. Dès que je passe, enfin, dès que j'arrive à la base, tu me la passes et c'est le chemin. En plus, Éventuellement, t'arrives tout en haut. si je trouve un peu d'XP, je te l'enchante efficiency 1. Comme ça Ouais, ira encore plus éventuellement. vite. Parce que Enfin, résultat, il devait pas. j'ai un level d'XP là donc. Faut pas sortir de la base quand il n'y a personne, parce que sinon on peut pas re-rentrer. Pas quoi possible. Problème. Si, quand même, on peut casser nos blocs. Quand Par contre, en fait, il faut garder la. Faut pas faire une canne à pêche parce que je me rappelle qu'il y a une canne à même. pêche dans le truc. Non, c'est quoi ce troll? Quoi? Ouais, elle m'a fait peur l'araignée, attends. Elle m'a enlevé 4 coeurs à cause du lag. Donc, je disais, ouais, la canne à pêche, Tiens, voilà, pas j'ai la faire, efficiency 1. il y a un giant dans les coffres. Ça, c'est bon. Attends, je suis parti où? C'est 150 ou moins 150? C'est moins 150. Oh non. 300 blocs à parcourir. Madness. C'est par là. Je me dis aussi que je connaissais pas par ici. T'aurais pu te rendre compte quand même. Bon. Au niveau, il y a plein de zombies qui m'attaquent. Voilà. C'est bon, bah je reviens. Okay. Moi je Ah, c'est casse toi là sur. le. C'est toi là ou c'est chez eux ça? Je suis chez eux. Et merde. Casse-toi, casse-toi. Putain. Dépêche-toi. Oh mon Dieu. Par contre, ils ont déjà l'arbre. Hein. Ça, je l'ai vu. L'arbre, je l'ai vu. L'arbre. Ah oui, ah oui, Oui, l'arbre. là, leur la cabane quoi, ils ont déjà. Ouais, non, j'aurais pas pris l'initiative. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Ouais. Je cours là, je cours. Au final, même en dehors de sa base, on peut. J'espère On peut se qu'il faire me course. une issue de en dehors de sa base, on peut creuser les blocs de sa base, donc ça pose pas de problème. Et donc, vous verrez la suite sur le prochain épisode, les amis. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, c'était CLB.